Parlons maintenant de la politique américaine, parce que ce soir, on a vu tantôt un peu plus tôt avec Raymond Fillon à quel point ça va mal pour le président Joe Biden. Et c'est depuis le débat. La performance de M. Biden a été catastrophique. Et là, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il devrait carrément se retirer. Il tente de redresser, de relancer sa campagne. Et il va donner une entrevue qu'il va diffuser ce soir sur les ondes du réseau ABC. Première entrevue qu'il va donner depuis. Et tous les regards vont être tournés vers M. Biden pour regarder ça. On va en parler, si vous le voulez bien, avec Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine. Luc, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui. Un plaisir, Michel. Alors, on parle de pression. Je pense que M. Biden en a de la pression ce soir. À quel point ce qui va se passer ce soir va avoir un impact sur la suite des choses, à votre avis? Il faudrait une entrevue absolument extraordinaire, hors du commun, pour compenser ce qui arrive à Joe Biden et dans son entourage depuis le débat de la semaine dernière. L'image d'un président qui n'était pas qu'affaibli, mais qui était littéralement perdu, vidé de son énergie pendant un débat qui, on le sait, est particulièrement important, ça venait confirmer les doutes, les appréhensions d'un grand nombre d'Américains. Le problème de Joe Biden, qu'il ait des examens médicaux concluants ou pas, son problème en est un de perception. Dans l'électorat, on est convaincu que M. Biden n'a plus ce qu'il faut, qu'il serait mieux de se tenir à l'écart de la campagne 2024. Donc, il faudrait que son entrevue sur ABC avec M. Stephanopoulos soit particulièrement bonne pour que ça change quoi que ce soit. Est-ce que ça peut lui permettre d'acheter un peu de temps? Peut-être. Mais en coulisses, et ça se multiplie en termes de rumeurs puis de confidences anonymes aux journalistes, on serait déjà à préparer la candidature de Kamala Harris et à essayer de lui dénicher un colistier ou une colistière. Ouais. Joe Biden, pourtant, refuse de partir. C'est encore le président des États-Unis quand même. Hein? Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que s'il s'entêtait à rester là, M. Biden, c'est un vieux routier. Il a l'expérience, il lit les sondages. Je ne suis pas convaincu, moi, qu'il ne surestime pas sa valeur et son potentiel depuis les élections de 2022. Mais les démocrates ne peuvent pas se permettre de le défier ouvertement ou, entre guillemets, appelons ça comme ça, de le tasser. Il faut que ça se fasse avec la complicité de Joe Biden. Et ce n'est pas une mince affaire que de lui permettre de se retirer sans s'attirer, entre guillemets, une certaine honte ou une certaine gêne. On ne veut pas le faire en l'humiliant. Et ce serait carrément contre-productif que de le tasser pour mettre quelqu'un à sa place. Ce serait particulièrement difficile, épineux même au plan des règles, de la structure du Parti démocrate. Déjà qu'une transition vers Kamala Harris, ce ne serait pas forcément chose aisée. D'autant plus que les sondages montrent que si Kamala Harris le remplace, elle est quand même derrière, dans les intentions de vote, quand même derrière Donald Trump. Donc, ça n'assure pas une victoire parce qu'elle-même n'est pas flamboyante. Non plus depuis 4 ans, selon plusieurs analystes. Mais, Luc, oui. Je veux dire, Joe Biden, c'est quelqu'un qui a un mandat quand même pas facile, mais avec un bilan au plan économique enviable. Sa carrière risque de se terminer d'une façon pathétique. Là. Il y a quelque chose de triste. Voilà, moi, je pense que jusqu'aux élections de mi-mandat 2022, hein, on anticipait, si on le rappelle pour le bénéfice des téléspectateurs, téléspectatrices, on anticipait une vague rouge en 2022. Et bien au contraire, c'est très serré à la Chambre des représentants, puis on a une courte majorité au Sénat. Mais Joe Biden pouvait quitter la politique américaine en disant « J'ai vaincu Donald Trump, je l'ai sorti de la Maison-Blanche, c'est le mandat qu'on m'avait confié ». Personnellement, j'ai toujours rêvé d'être président. C'était sa 3e tentative d'accéder à la présidence en 2020, que ce soit par l'intermédiaire des primaires ou lors d'une élection générale. Il a un bilan législatif et économique qui était positif. En 2022, dans ma tête, je pensais sincèrement qu'il allait respecter ce qu'il avait lui-même avancé en campagne en disant « Je vais être le pont avec le prochain candidat ou la prochaine candidate démocrate. Je ne fais qu'un mandat et je me retire ». Et il aurait quitté, je pense, l'expression en pleine gloire est peut-être forte, mais il aurait quitté littéralement au sommet. Et là, s'il doit comme ça être évincé ou être complice de sa propre sortie de piste, mais en envoyant l'image d'un homme qui est diminué, qui est très affaibli, effectivement, je trouve que pour lui, si on ne se concentre que sur sa famille, sur ses proches et sur lui, c'est une fin de carrière triste à laquelle on assiste. Savoir se retirer, parfois, c'est pas facile, mais c'est important aussi. Bien. Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine. Merci beaucoup, Luc. Un plaisir, Michel. Une bonne fin de journée. Au revoir.